on s'attarde sur plusieurs choses. On a compris quels efforts importants qui se sont faits, qui sont en train de se faire. Et ça, ça nous motive évidemment à renforcer encore plus notre coopération. Tout ce qui concerne les différents problématiques, donc le Bénin et la prise en charge de patients, etc. Comme je l'ai dit, notre coopération, vous le savez, parce que notre chef de coopération est tout le temps, est dans un moment assez positif. Donc, de plus, les résultats, les efforts, l'impact de ces projets sont très importants. Donc, on va essayer de tout faire pour défendre vos positions avec nos arbitres internes, finances et contrats. Mais évidemment, plus d'arguments on a pour vous défendre, plus on va avoir des possibilités de succès. Bon, sur ça, j'ai bien noté la question de donc, la possibilité de recevoir tous les 3 mois le mémoire des dépenses. Et nous, on est aussi disponibles pour faire des échanges, même informels, même plus réguliers, si vous êtes intéressé, si vous voulez, ça va vous permettre d'anticiper des problématiques, de répondre mieux à des questions que si on arrive à la fin, comme on est maintenant, on a plus de difficultés. Et voilà, donc, dans ce sens, je vous remercie, j'ai bien noté tous vos commentaires par rapport à la rationalisation et à l'intérêt d'augmenter l'efficacité et de montrer l'efficacité de notre collaboration, de notre coopération. Merci. Merci, monsieur le représentant de l'Union européenne. Voilà, nous sommes à la fin de cette revue. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier tous nos collaborateurs qui ont participé à la préparation de cette rencontre. Remercier Touré pour l'excellence de son exposé. Et remercier aussi les autres collègues qui sont venus toutes les pour leur mobilisation et leur intervention, particulièrement celle du directeur des statistiques. Vous dire combien de fois ce projet est important pour la commission. Sa vision nous permet d'avancer dans plusieurs domaines. Vous avez entendu directeur de la concurrence, directeur du marché régional, directeur de la formation, directeur du commerce. Tous pour relever ici l'importance de ce projet. La réaction de l'Union européenne, c'est de partir par des bonnes propositions, à savoir la nécessité de voir un nouveau programme des activités qui restent à faire et d'être réaliste dans la conception de ces programmes d'activités, ce nouveau programme, en respectant la rationalisation. Je pense que aussi, bon, ça coïncide avec ce que nous souhaitons, nous sommes en train d'avancer ici. La rationalisation des activités de la commission avec peu de moyens et faire plus. C'est ce aussi qui est sous-tendu ici. Et je suis d'accord aussi par une rencontre de CBN. Si c'est pas une rencontre spéciale, mais trimestriellement, en plus, vous envoyez les rapports relatifs aux dépenses. Je pense que c'est un compromis que je prends personnellement, un engagement personnel que je prends à vous envoyer trimestriellement tous ces rapports aux dépenses réalisées dans la réalisation des dépenses. Aussi, dans la mesure du possible, les rencontres formelles, les organiser comme le fait souvent. D'ailleurs, même on a l'habitude de le faire. Cette année, je pense que depuis l'année, nous avons 3 ou 4 rencontres de formelles. Ici, soit moi je vais chez vous, soit vous venez ici. C'est le général de la République qui nous a permis de balayer le terrain. En ce qui concerne
informations sur la dernière déclaration de Mathias Sine. Je ne suis pas revenu sur cette question.